Les amis, on va parler d'un drame. Alors, je pensais pas spécialement refaire une vidéo de si tôt, mais je me suis sincèrement dit que ben voilà, fallait quand même faire un petit truc parce que oui, toute sorte de franchement, il y a des trucs qui se passent de ouf. Alors, je pense que depuis quelques mois, on a un petit peu assisté en tout cas dans les grandes lettres, dans les grandes news au downfall des Kardashians, puisque ben ils font autant plus de vues. Les gens sont plus trop fans d'eux, tu vois, genre, il y a moins, franchement, il y a moins, tu vois, hype autour d'eux. Un point où des gens se demandaient sérieusement s'ils allaient être invités au Met Gala, tu vois. Et alors que, voilà, l'année dernière, justement, Tim était venu dans la robe de Marilyn Monroe, donc ça montre quand même son importance dans ben, le monde du séjour des médias, pourtant, avec le divorce de Tim, les délires de Chatune et tout. Beaucoup de gens se demandaient quelle était leur place aujourd'hui. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui, quand même, pose un peu des questions. Puisque si vous êtes sur Internet depuis un petit moment, vous voyez sûrement qui est Kourtney Kardashian, donc la sœur de la sisterhood d'Anthony Kardashian Jenner. Donc voilà, c'est l'aînée de Tris. C'est forcément un petit peu, genre, tu vois, généralement dans les familles, l'aînée c'est The Golden Child. Pourtant, Kourtney a toujours un petit peu été le deuxième mal-aimé. Voilà, c'était pas forcément la personne qui avait le plus de chirurgie, c'était pas la meuf qui faisait le plus de couvertures de magazines. Bref, elle était juste elle, tu vois. Et je pense que ça joue un gros rôle dans le fait que les gens, genre la famille Kardashian, l'apprécie pas forcément. Par exemple, elle se faisait énormément tacler par Tim dans son TV show. Où voilà, Tim justement, il disait tout le temps, tu sais, genre, Kourtney n'avait pas de business. Pareil pour Tris, tout le monde, en fait, la trinité. Et ça montre bien des choses, c'est que ben, la famille Kardashian, c'est une famille qui est basée justement sur cet esprit de narcissisme, qui est ben, la mère Kardashian, qui essaie à tout prix de faire la une des magazines et d'être, là, moi, la plus grande célébrité. Tout le monde parle d'elle, alors que tu vois, genre, meuf, ou d'un moment, je veux dire. Je pense qu'elles ont suffisamment d'argent pour vivre dans un certain luxe sans avoir la nécessité de faire une telle réalité de leur vie, tu vois. Genre, sincèrement, je ne pense plus du tout que les Kardashians aient besoin aujourd'hui de taper la peau de Kardashian. Pourtant, on l'a toujours. Et ça, je pense que moi, genre, c'est même pas tous ces problèmes ici. C'est juste, I'm like, bro, can we do up? Genre, vraiment, je trouve que, je pense qu'aujourd'hui, les Kardashians, ils font pourtant même la une sans forcément avoir besoin, tu vois, genre, d'être les Kardashians, genre, d'être tout le temps dans des dramas, sans que ça blesse leur famille et tout. Donc, franchement, ça me choque un peu et ça me rend triste, tu vois, de se dire que, ben, aujourd'hui, ils ressentent toujours ce besoin avec tant d'argent, tu vois. Et dans ton l'occurrence, ben, c'est vrai que Tris, elle a toujours un peu soutenu, ben, tu sais, genre, ses filles dans le mauvais sens, dans le sens où certes, elle a fait d'elle des businesswomen, elle a construit des fortunes, mais il faut pas l'oublier, elle a quand même un peu ruiné l'image de leur vie. C'est-à-dire que là, genre, tu peux retracer la vie de chacune, tu vois. Genre, c'est juste ouf de se dire que, genre, t'as Ellie, je veux dire, ou t'es. Elle a fait de la chirurgie, c'est une maman, je sais pas toi. Tu peux toujours retracer la vie de Tylee depuis tous ces d'os. Bref, et c'est vrai que ça, c'est hyper flippant. Et le Golden Child pendant hyper longtemps, c'était clairement Tim T, faut juste le dire. Tim, elle faisait rapporter de l'argent à la famille, c'était un petit peu la première star, tout ça, tout ça. Et puis à un moment, c'est devenu Tylee avec, genre, tu vois, lorsqu'elle a eu son enfant, avec la chirurgie esthétique, bref, tous les délires comme ça. À un moment, genre, même. Ben, Triste, elle avait déclaré que Tylee c'était her favorite child, tu vois. Donc, je pense que ça montre que, genre, les Kardashians, c'est vraiment où tu fais le mieux mon narcissisme, tu me rends le mieux heureux, tu fais que je me sens mieux dans mon narcissisme ben, soutenu, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper grave parce que ça remet cette image finalement de le narcissisme ôté dans une télé, dans un truc, c'est genre hyper tenu. Et ça reflète beaucoup notre société, tu vois. Et pareil ben, pour Tim en l'occurrence, je pense que tous ces délires, c'était vraiment genre. Où es-tu dans le. Mais c'est pas dans le. Mais genre vraiment, les délires avec Kourtney, ça partait vraiment très loin. Genre, par exemple, à l'époque de la tape de Tim, et ben genre, tu vois, genre, Tris n'était même pas venu voir le premier.
défilé de genre de Whitney parce que comme toi c'était trop loin, elle était trop occupée, je sais pas toi. Et en fait, à chaque fois que genre Whitney faisait un truc d'appeler ça autant d'argent, bah elle faisait lyncher. Genre par exemple, pour le lancement de sa marque, et ben genre aucune d'elles ne fait vraiment la promo de genre de Whitney. Alors que genre, tu vois, ben Triss, elle fait tout le temps la promo de ses filles. Elle les a même genre dans sa bio, IG et tout. Donc je trouve ça super grave. Et d'ailleurs, faut le savoir, mais Triss, c'est pas la manager de Tourtenay, contrairement aux autres Tardachans. Tourtenay a choisi Teltin qui n'est pas dans la famille Tardachans, en l'occurrence, pour ben, manager son Welch. Ce qui est totalement normal. Et d'ailleurs, même, genre, tu vois, c'est juste ouf, mais. Lorsque Tourtenay essaye de faire sa thérapie, de parler un petit peu de ses traumas d'enfant, Triss va tout de suite la gaslight en disant non, mais en fait, t'as eu une enfance parfaite, donc tu parles pas, t'as tout eu. Genre, même lorsque ben, Tourtenay elle parle un petit peu d'un rumeur comme toi, sa mère était cheater, comme toi, elle avait trompé son daron et tout, bah, genre, Triss la gaslight là. Et ça, je trouve ça super grave parce que ça montre encore une fois que bah, there is a problem in the family. Genre, tu vois, tu peux pas deny it, tu peux pas nier éternellement qu'il y a un problème. Et ça, je pense que les Tardachans, ils ont pas su le faire. Et ils ont pas juste su l'accepter et se construire, certes, en tant que famille, mais en tant que famille un petit peu plus solide, quand même, je trouve. Notre deuxième drama, alors il concerne Tim et Tourtenay, mais c'est un petit peu plus différent, puisque on va parler du mariage de Tourtenay et de Travis. Alors, si jamais vous l'avez pas vu, je pense que clairement tout le monde l'a vu, mais ils se sont du tout mariés en Italie sous les signes des projecteurs de Dolce & Gabbana. Et tout simplement, en fait, Tourtenay, après, elle a avoué qu'elle avait détesté cela. De surtout, elle avait trouvé de genre, tu sais, genre, Tim avait utilisé genre son mariage pour de la pub pour sa campagne. Après, avec Dolce & Gabbana, puisque vous le savez, elle est devenue genre égérie et tout. C'est le nouveau visage de la marque, elle est sur tous les défilés. Alors, déjà, je trouve qu'en soi, ça lui va bien, genre, Tim. Enfin, tout est mode. Mais, genre, franchement, quand tu sais, genre, tout le racisme par lequel est passé Dolce, tu te dis, il n'y avait personne d'autre pour travailler avec toi, par Tim. Donc, bon, ils ont dû, ben, genre, se racheter une image, toi. Et je pense que Tourtenay, elle veut pas être, en fait, dans ce truc. Surtout, tu sais, genre, sans mariage, tu vois. Genre, j'aurais tant pris si c'était pas, genre, tu vois, c'était son anniv, ou je sais pas. Un événement, tout team, ben, genre, tu vois, elle faisait ça pour avoir une collab. Mais là, genre, c'est sans la mariage de ta soeur, tu vois. T'es là, tu prends une situation avec Dolce, Dolce, ils ont dû faire énormément d'argent parce que, bah, tu vois, genre, en fait, toi, tout le temps, parle du mariage, ben, il parle d'eux, tu vois. Et je trouve ça, mais grave. Mais je suis désolée, mais, genre, vraiment, c'est des deux, tu vois. De faire ça, genre, pas ce point, tu vois. Genre, je veux bien te, genre, bon. Une pub, limite genre une robe, c'est sûr, Marty va la faire et tout. On va la faire un peu de pub et tout, mais déjà, c'était pas très réussi, franchement. C'était pas réussi, je vais pas mentir, je vais pas être hypocrite avec ta petite. Ah, that wasn't la robe et tout, voilà, on sait, tu vois. On sait que ben, l'image du mariage, ça faisait plus en mode. On dirait, genre, bref, une campagne de pub en fait, de vrai mariage. Et surtout, genre, tu vois, genre, typiquement, quand tu t'en parles avec, je sais pas, genre, des mariages Sofia Richie, trucs comme ça, tu te rends compte, bon, c'était médiatisé, mais that wasn't that. Et surtout, ben, genre, tu vois, c'était quand même le mariage tourné. Donc, elle avait le droit de vivre son instant sans que ce soit platardé. Dolce n'était pas là, tu vois, genre, c'est vraiment ça, en fait. Donc, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bientôt, salut.